Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour, ce sera la prière. Alors pour la prière, toujours la même chose. Des récompenses, un clicker, et puis votre compagnon. Alors ce que je conseille, c'est que certaines personnes apprennent à faire directement sur une chaise, donc à faire la prière sur la chaise. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'arrive pas à lui faire faire partout après, de manière assez facile. Tout comme il y a moyen de lui apprendre en position debout à la base. Il y a moyen de l'apprendre debout à la base, sur un tabouret par exemple, mais à partir de ce moment-là, c'est plus difficile à lui faire faire assis. On va donc apprendre la prière à l'aide de l'avant-bras. Voilà, faites la prière et c'est fait. C'est vraiment très très facile à lui apprendre à faire ça, c'est bien mon loup. On va donc commencer la première phase pour apprendre à faire la prière. Pour la première phase, il faut s'asseoir sur une chaise et apprendre au chien à mettre ses pattes sur l'avant-bras. On met le chien devant, on présente son avant-bras et on le met relativement haut de façon à ce que le chien doive se mettre debout pour pouvoir mettre ses pattes. Voilà, et attraper la récompense. On lâche, on récupère de nouveau une récompense. Le clicker en main gauche, la récompense en main droite. Je lève le bras, je mets la récompense. Le chien va venir la récupérer. On synchronise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est indiquer mon bras avec mon index. Ce sera par la suite la méthode au chien pour comprendre qu'il doit faire la prière. C'est son geste. Pour la deuxième étape, on va faire exactement la même chose, à part qu'on va présenter la récompense en dessous du bras. Et on lâche. Et on lâche. Pour l'étape suivante, phase numéro 3, on va faire exactement la même chose, mais on va directement récompenser en dessous du bras. Dès que la tête passe en dessous du bras, on clique. Pour l'étape suivante, on va faire exactement la même chose, mais on va déposer l'avant-bras sur le genou, de cette manière-ci. Ce qui va permettre au chien de venir déposer ses pattes ici. Et comme le bras n'est pas en l'air, il va rester en position assise pour mettre ses pattes. On va donc maintenant commencer. Il est en position assise. Je vais mettre mon bras et lui indiquer de mettre ses pattes. Et je récompense par en dessous. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous allez voir que vous allez mettre votre bras, automatiquement il va venir mettre ses pattes. Regardez bien, je mets mon bras, il va déjà venir mettre ses pattes. Il n'y a rien besoin de faire, juste le fait de voir que vous mettez votre bras sur vos genoux, il comprend qu'il doit mettre ses pattes. Si vous nourrissez toujours par le dessous, il va automatiquement plonger sa tête en dessous de votre bras pour avoir sa nourriture. Voilà. Comme dans tous les tutoriels, pour la phase suivante, on va lui apprendre à faire exactement la même chose et lui donner la commande une fois qu'il a effectué le mouvement. Prière. 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 On va augmenter un tout petit peu le temps. Prière. C'est l'avant-dernière étape. À partir de maintenant, le chien est censé connaître la commande. Donc on lui donne le nom prière. On clique et on récompense après. Peps assis. Prière. Je clique, je récompense. Prière. Je clique, je récompense. Maintenant, ce qu'on va faire, dernière phase, c'est le leurre. Je fais exactement la même chose, à part que je n'ai plus de récompense en main droite. Je mets la main, je lui demande de faire sa prière, je lui montre que ma main est vide. Et seulement après, je lui donne une récompense. Prière. Bien, mon loup, oui, ça c'est bien. Et je le récompense.
Peps, prière. Ouais, c'est bien, Molo. N'oubliez jamais que c'est le cliqueur qui détermine la fin de l'action. Donc quand vous cliquez, le chien va automatiquement redresser sa tête. Si vous voulez allonger le temps, attendez avant de cliquer et qu'il garde la position le plus longtemps possible. À vous de jouer et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je ne sais pas encore lequel, mais on en a encore plusieurs à vous proposer. T'es prêt, Peps? Ouais, dessus. Yes!